Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la Peugeot 508. Alors on a essayé pas mal de voitures, alors celle-ci n'est pas forcément toute neuve mais je me suis dit qu'il fallait essayer la Peugeot 508. J'ai déjà fait la 508 PSE quand elle venait de sortir sur le circuit du Mans et des petites routes très sympas dans les Alpes Mancelles et je n'avais pas essayé encore donc cette version. J'ai choisi aujourd'hui la version PureTech 130 chevaux, donc le moteur qui va être un des plus vendus en France, hein, donc essence et 130 chevaux. Elle existe en plusieurs versions actuellement, donc soit l'essence PureTech 130 chevaux, soit le Blue HDI 130 chevaux également, soit la version 225 chevaux en hybride. Petit 3 cylindres aujourd'hui, donc sur cette version essence, avec la boîte EAT8, sinon on aura un 4 cylindres à diesel avec la boîte EAT8 également, et pareil pour la version qui sera en hybride, qui sera avec la boîte EAT8 à chaque fois. Au niveau des finitions, on aura plusieurs finitions, on aura soit la Active, soit la Allure, soit la GT, soit la GT Pack. Aujourd'hui, on a une finition Allure sur cette version, disponible en 10 couleurs. Aujourd'hui, c'est le bleu Célébès, je pense qu'on dit Célébès. On ira au niveau des jantes, soit du 16, 17, 18 ou 19 pouces. À l'intérieur, on aura le choix de 9 intérieurs, du blanc, du rouge, du noir, des tissus, du cuir. Et comme d'habitude, on va faire donc un petit tour complet de cette voiture. Donc je vous la présente aujourd'hui. Là, je vous présente ça très proche de Sancerre. Un long road trip avec la voiture. Je me suis dit, tiens, on va tester vraiment les capacités et voir l'autonomie de la voiture. Je me suis dit, je vais faire que des petites routes. J'en suis à 400 km déjà de parcouru quasiment. Et ça m'affiche encore une très très belle autonomie. Donc je pense qu'on fera plus de 1000 km en faisant que des petites routes. Et ça, c'est un vrai plus. Peut-être même 1100, 1200. Alors je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au plein du réservoir. Mais c'est très économique sur les petites routes. Au niveau des dimensions du véhicule, c'est une voiture qui fait 4,75 m de long, 1,86 m de large sur 1,40 m de haut, donc une belle berline avec des proportions qui sont quand même plutôt agréables. On a un long capot, ça ressemblerait presque à une petite berline allemande. Assez jolie. Et ce que j'adore surtout sur cette voiture, c'est la face avant. Je pense que Peugeot a vraiment là, tout mis sur la face avant. L'écran, etc. C'est juste waouh. Au niveau du poids de la voiture, on est sur 1 tonne 4 environ. Et donc, comme je vous disais, les motorisations, 3 motorisations différentes. En essence, on pourra mettre jusqu'à 62 litres d'essence. Quand c'est une diesel, 55 litres de diesel et 43 litres d'essence pour la version hybride. Pour les tarifs de cette voiture, on commencera sur les premières versions à partir de 35 950 euros. Et ensuite, on pourra monter jusqu'à quasiment 50 000 full option. Sur l'avant, donc, on reconnaît bien le style nouveau de Peugeot, donc avec ses grandes griffes ici sur le côté. C'est une des voitures qui a la plus belle allure pour moi, en tout cas dans les françaises, même chez les allemandes. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui doivent être assez jalouses de cette avant, qui est quand même très très agressif. Donc, les grands crocs jusqu'en bas, ce qui sur la 3008, par exemple, on n'a pas ces grands crocs qui vont jusqu'à tout en bas du feu parce qu'on a des petits inserts qui sont un petit peu chromés, alors que là, sur la 508, ça va vraiment jusqu'en bas. C'est quand même beaucoup plus joli. Même sur la nouvelle 308, ça ne va pas jusqu'en bas comme ça. Feu, donc full LED aujourd'hui, très sympa, donc on peut avoir les feux automatiques également, qu'on n'a pas sur cette version aujourd'hui. On aura aussi la vision de nuit disponible qui coûte environ 1400 euros, ce qui permet d'avoir une vision infrarouge de nuit, et ça c'est très agréable. J'ai fait une vidéo spécifique là-dessus lorsque j'avais fait l'essai du 3008 H4. 3008, pareil, il y avait des versions hybrides jusqu'à 300 chevaux, c'était impressionnant. Donc si vous voulez voir la vidéo de la version de nuit, c'est assez fou, c'est Mercedes qui avait lancé ça sur la classe S et Peugeot a repris ça. J'étais vraiment bluffé de voir ça sur une Peugeot. Le style, donc avec le 508 noté ici, donc maintenant toutes les Peugeot ont leur numéro remarqué sur l'avant, comme à l'époque on avait par exemple sur les 504, 404, etc. Ben, c'est revenu là. Petite calandre simple, du chrome, le lion, donc les anciens logos encore. Peut-être que la future 508 aura le nouveau logo comme la nouvelle 308. On a le petit capteur ici pour les aides à la conduite. On a quand même la conduite de niveau 2 avec centrage de voie et régulateur adaptatif, ce qui est très pratique au quotidien, surtout quand on fait beaucoup de route. Une lame positionnée assez haute, mais peinte couleur carrosserie. Et voilà, un avant assez agressif. Sous le capot ici, donc le moteur 1,2 litre, 3 cylindres. Alors, on verra pendant l'essai que, bon, on a le bruit caractéristique du 3 cylindres. C'est pas très péchu, c'est suffisant pour avoir une petite conduite cool. Mais on verra qu'il voilà, il présente quand même quelques petits à-coups pendant la conduite. Un capot très simple, ligne ici, et c'est tout. Voilà, pour l'avant. Sur le côté d'ici, on a quand même une très très longue berline à ici, là, 4,75 m. Donc c'est quand même un beau bébé. Une ligne là qui tombe vraiment vraiment sur l'arrière. J'ai une copine qui m'a dit que ça ressemblait à une Audi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle a raison?
On a l'entourage chrome ici qui donne un peu ce côté voiture un petit peu plus premium. Cette couleur bleu célébesse très sympa avec les paillettes au soleil. On voit vraiment les reflets. Alors à la vidéo, ça ressort pas vraiment, mais c'est très joli. Rétro bicouleur, le répétiteur de clignotant ici. Poignée type frigo avant, arrière. On a le petit bouton pour appuyer ici sur les quatre portes pour fermer le véhicule. Très simple sur le côté, rien d'extravagant. On a un petit rappel ici en plastique. Alors c'est pourquoi pas, mais voilà. Des jantes, aujourd'hui on a du 17 pouces, ce qui rend la voiture très très confortable. Comme vous le savez, plus on a des pneus qui sont gros, plus la voiture est confortable. Et on verra pendant l'essai là que la voiture, c'est franchement un régal, puisque même sur les dodanes ou sur les petites routes de campagne, franchement c'est très agréable. Et ce qui est impressionnant, c'est que Peugeot, même en gardant des voitures confortables, elles ont des voitures qui gardent un dynamisme assez impressionnant, que ce soit en virage, en rond-point ou autre. Donc elle prend un petit peu de roulis, mais la voiture va vraiment où vous voulez, c'est très sécurisant. Sur l'arrière, donc la malle façon berline. Donc on n'a pas juste la malle qui s'ouvre, on a vraiment tout un haillon jusqu'à là-haut. Les feux très caractéristiques donc des nouvelles Peugeot, avec trois fois trois griffes ici, donc pareil, full LED. Les clignotants qui s'indiquent dans une très fine barre ici. Petit rappel, 508 Peugeot de l'autre côté. Et comme on peut le retrouver maintenant sur les 208, 308 et autres, ce grand bandeau donc qui fait vraiment tout le long avec cette partie noire au centre qui vient étirer la voiture en large. Ici, donc, couleur carrosserie, du plastique sur le bas, plutôt bien fini, les répétiteurs ici et deux enjoliveurs de faux échappement, puisque en fait l'échappement est caché juste en dessous sur cette version. On ne l'a pas sur la version sportive, on aura deux petits ronds sur le côté par contre. Donc ça, on pourra choisir aussi en option. On a quand même pas mal d'options en catalogue. Au niveau du coffre, donc pour aller ouvrir le coffre, il faut appuyer ici sous le lion. Il ne faut pas avoir de trop gros doigts. Il faut juste insérer ses doigts ici. Et on aura dans le coffre 487 litres. Regardez, 487 litres. Ça laisse quand même vraiment pas mal de place. Et lorsqu'on rabat les banquettes, on pourra avoir jusqu'à 1540 litres environ. On a le triangle qui est accroché là-haut. On a deux boutons ici pour fermer et pour activer lorsqu'on passe le pied sous le pare-choc pour avoir la fermeture automatique. Après, sous le coffre ici, sous le tapis, donc on peut relever et on a le kit anti-crevaison, pas de roue de secours aussi. La banquette, elle est rabattable en deux tiers, un tiers et on a une petite trappe à ski également. Alors, à l'arrière, déjà, on a une petite partie ici lorsqu'on ouvre la porte, une sorte d'imitation carbone, très jolie, et un joint donc qui fait tout le tour. Bon, je vous montre moi dedans. Donc, pour rentrer, on a une grande ouverture de porte. Hop. Et alors, comme vous voyez là, il faut vraiment s'insérer, c'est une berline, avec le toit qui est assez plongeant. Hop. Lorsque je referme ma porte. Alors, moi je fais 1m80. Je ne sais pas si vous voyez, je touche là-haut. Alors ça, c'est un petit peu dommage pour une voiture qui est faite pour faire de la route et que ce soit pas vraiment fait pour les grandes personnes arrière. Parce que moi, je suis pas confortablement installé là-haut si je veux me mettre bien droit. Bon, si je me baisse un peu, ça va, mais j'ai vraiment la tête qui arrive là, dans cette partie, et je me sens pas très bien. Plus d'1m70, je vous avoue que l'arrière, ce sera pas forcément fait pour vous ou ce sera pas forcément très très confortable. La banquette, donc, en cuir, qui est assez ferme, et qui est jolie, donc avec tous ces matelassages, etc. J'ai de la place pour les jambes, donc le siège à l'avant est réglé pour moi, je fais 1m80. J'ai de la place pour les jambes. Au niveau des pieds, ça va, j'ai de l'espace. On a un petit tunnel central ici. L'accoudoir est bien. On a un accoudoir ici sans la petite languette, donc il faut insérer son doigt dedans. Ou, ok, ça va, c'est pas mal. Donc le porte-gobelet est ici. Bon, il tombe pas forcément très très bien. Mais ça peut le faire. Mais je vous avoue que pour quelqu'un de grand, alors pourtant c'est un peu creusé ici, mais voilà, on aurait pu faire un poil mieux en baissant par exemple un petit peu l'assise ou en inclinant un petit peu plus. Hop. La porte, donc on a du moussé là-haut, finition, imitation carbone ici, des poignées où il y a une sorte de simili-cuir et voilà des enceintes en bas. On peut ranger pas mal de petites choses, des petites bouteilles ici. Fixation Isofix et Top Taser sur les deux places du côté. La place du milieu, ouais, elle est assez confortable. Au final, bah, je touche toujours là-haut hein, si je me mets droit. Mais plutôt confortable. Alors par contre, j'ai les ceintures qui viennent me gêner un petit peu ici au niveau des fesses.
mais j'ai de la place. Pour quelqu'un de pas trop grand, pareil, ça fera largement le job. Le dossier est moyen, il est ni ferme ni trop mou. Au niveau de l'assise, c'est plutôt pas mal. Pareil, j'ai de la place au niveau des jambes. Je peux mettre mes pieds sur le tunnel ici. Ici d'ailleurs, on a donc deux aérateurs et deux prises USB. Bon, voilà pour l'arrière et je vous montre rapidement l'avant. Alors, à l'avant de cette voiture, le petit volant Peugeot avec la cockpit juste en haut. Bon, on vous montre une petite vue. Vue d'ici, donc de cette 508. Alors, c'est plutôt sympa, c'est agréable. On commence comme d'habitude par la gauche. Donc ici, on a du moussé, finition carbone. Alors, de nuit, je vous fais une petite vidéo. Donc là, on a un bandeau LED ici, du LED là. Et ça traverse, pareil, l'habitacle pour revenir jusqu'à là-bas. Donc, LED bleu, comme on a l'habitude chez Peugeot. La poignée. Ici, une poignée pour tenir avec, pareil, donc une sorte de cuir ici. Les fenêtres avec impulsion sur les 4, le réglage des rétroviseurs et bloquer les fenêtres pour les enfants. Petit vide-poche ici, donc on a quelques rangements. On pourra mettre une grande bouteille ici à l'avant. Le pédalier ressemble à ça ici. Donc gros repose-pied sur la gauche, bien pratique pour les longs trajets. Ensuite sur la gauche, donc on a cette finition ici, donc là qui est moussée, pas là, mais là. Donc cette finition imitation un peu carbone tressée, qui est plutôt jolie, donc qui fait tout le tour du tableau de bord également. Et pareil sur la portière. Ici, pour ouvrir le coffre, puisque c'est électrique, ça c'est pour désactiver le maintien dans les lignes, ça c'est la conduite de niveau 2 pour le centrage de voie, donc vous pouvez lâcher le volant, ça suit les lignes, et ça c'est pour l'alarme. Ensuite, je vais vous la démarrer. Donc pour démarrer, pied sur le frein, on appuie sur le bouton ici, et ça me démarre la voiture. Donc l'écran ici qui s'allume, et ensuite, celui-ci avec le logo Peugeot. Donc, on a un bel écran ici et là-bas. Donc, selon ce qu'on va vouloir avoir là-bas, on pourra avoir plusieurs menus donc qu'on va pouvoir faire défiler. Donc ça, c'est comme sur toutes les jeux de Peugeot. On a donc le minimal, les cadrans, la conduite, la navigation, le personnel qu'on peut régler. Donc, on a des petites animations à chaque fois, par exemple le minimal. Alors, c'est très très long d'avoir les animations. On a toujours la vitesse qui est affichée dans tous les cas. Donc, ça, c'est le minimal. Par exemple, ensuite, je peux avoir les cadrans. Donc, il va venir m'afficher des compteurs comme à l'époque. Je peux avoir la conduite. Donc, il va me donner les aides à conduite, le véhicule que je suis de devant, etc. et la vitesse. Par exemple, là, il n'y a pas de véhicule devant moi. La navigation, donc avec le GPS qui va être ici. Donc là, par exemple, je n'ai pas de GPS activé. Le personnel, donc qui est celui que je préfère moi, puisque j'ai mon contour sur la gauche. Donc ici, contour, ma vitesse et ma consommation. Donc comme vous pouvez le voir, sur les 393 km, 5,6 litres de moyenne. Ce qui est quand même plutôt très très bien. Je suis parti de Paris, on est allé jusqu'à Bourges et là on est à Sancerre, bientôt Sancerre qui se trouve par là-bas, à quelques minutes. Le volant, donc ici, cette petite roulette qui m'a fait défiler donc ces informations pour les menus, la commande vocale, le son, le klaxon ici, ça c'est pour la radio, décrocher au téléphone et ensuite changer de radio par ici. Donc ce petit volant double méplat en haut et en bas, donc bien connu chez Peugeot. Des palettes derrière le volant qui sont fixes, donc moins ici, plus ici. Donc on tire sur cette petite partie derrière, là où c'est chromé, pour passer ou rétrograder. On a derrière ça avec le limiteur de vitesse, l'éteindre ou le cruise control, donc le régulateur. On peut mettre en mémoire, ici on règle la distance avec le véhicule qui nous précède, mettre plus ou moins grâce à des touches derrière ou mettre en pause comme ça. Et avec les touches derrière, hop, comme sur un commando de son sur une vieille Renault par exemple. Les essuie-glaces et les clignotants. Ici de ce côté, les essuie-glaces et de l'autre côté. Là, les feux, donc mode auto. Et à droite, donc les essuie-glaces, on a pareil également un mode auto sur les essuie-glaces. Donc en gros, les essuie-glaces quand il pleut ou les feux de nuit, ça va s'allumer tout seul. Tableau de bord, donc on a l'iCockpit ici, donc qui est toujours plus haut. On n'a pas d'affichage tête haute sur les Peugeot, puisque ça c'est déjà placé en haut. Là, plastique ici, et ensuite tout le reste est moussé. La finition est plutôt bien. Aérateur là, sur les côtés là, et en bout là-bas. Ici, ce grand écran, donc qui est tactile ici. Donc on peut y avoir accès de cette façon. On peut avoir le retour ici. On peut avoir des raccourcis sur cette touche piano. Donc ici, c'est pour la musique. Ça, c'est pour la ventilation. Ça, c'est pour le GPS. Hop, ça s'affiche parce que je ne l'avais pas démarré encore.
les réglages de la voiture, donc on a les raccourcis de réglage ici, le téléphone, les applications si on a Android Auto ou les apps connectées, et les réglages de la voiture. Donc on a les réglages ensuite ici, avec les options, donc on pourra régler, combiner l'instrumentation, etc. Ensuite, on aura d'autres réglages au niveau de la voiture ici, qui vont nous donner les réglages et réglages du véhicule à cet endroit-là. Donc réglage de voiture, c'est la petite touche voiture ou la touche roulette là-bas. Et ensuite, donc, par exemple, hein, ici, tout est tactile ensuite sur cet écran. Pour la clim, on peut régler ici. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, ça affiche l'écran en grand. On ne peut pas régler directement là. Donc, si on a GPS, ça nous désactive l'écran GPS. On doit retourner ensuite à la navigation de cette façon. On a des petits raccourcis ensuite ici pour désactiver le start and stop, le désembuyage avant, arrière, recyclage d'air, éteindre la clim. Le bouton pour démarrer la voiture. Les modes drive mode ici, donc qui vont aller sur l'écran là-bas, dire soit sport, soit manuel, soit normal, soit éco. Moi, je roule la plupart du temps en mode éco, sinon en sport, vous avez vu, c'était rouge au milieu. Ici, c'est pour sélectionner les rapports. Donc, drive, j'appuie ici, je drive comme ça, donc je me mets en drive. Neutre, je repousse une fois en haut, donc à chaque fois, ça affiche le petit point vert ici. Reculer, là, ça se met en reculé et ça m'affiche les caméras. Donc, caméra avant, arrière, pas de vrai 360, ça va enregistrer lorsque vous allez reculer ou avancer ici. Et la touche parking, de cette façon. On a le park assist ici, donc en appuyant ici, ça va vous chercher une place automatiquement et se garer tout seul. Le frein à main, cette partie ici qui est en laqué avec un petit rangement intérieur là. Double porte-gobelet ici qui est illuminé de nuit, qui est très sympa, donc en bleu également. Et petite cachette secrète, hop, regardez, il faut se faufiler pour avoir accès ici à la prise USB pour connecter votre téléphone en Apple CarPlay ou Android Auto. Et pareil, donc chargeur par induction à cet endroit-là. Donc caché sous tout ça, sous toute la console, caché derrière. Ici, comme on connaît chez Peugeot, on appuie, ça s'ouvre de cette façon. Donc un assez grand espace de rangement ici, avec une petite lumière et une prise jack pour la prise auxiliaire. Les sièges ressemblent à ça. Alors, appui-tête qui a l'air très gros et très confortable, mais il est plutôt ferme. Je dois vous l'avouer, surtout sur la partie haute, le centre, ça va un peu mieux, mais plutôt ferme. Et avec ces sièges en cuir, donc, alors ce qui est bien, c'est qu'ils sont rainurés. Lorsqu'on fait beaucoup de route, ben, quand on bouge un petit peu dessus, c'est bien, c'est pas trop plat. L'avant, de cette façon, pareil, on peut régler cette partie sur l'avant. Alors ça, j'aime bien. Et vue de la portière au complet. Vue des sièges arrière, ça ressemble à ça. Et la toute petite fenêtre à l'arrière, on voit vraiment pas grand chose comme dans le rétro ici. Comme vous pouvez le voir, c'est tout petit à l'arrière. Rétro, donc rétro, pas borderless, donc gros bord ici, mais qui se teinte automatiquement. Les pare-soleil ici avec le miroir et du LED. Là-haut, la touche SOS et l'assistance Peugeot juste ici, donc SOS Peugeot. Et ça, donc les lumières ici qu'on va allumer en tactile, donc lorsqu'on touche, ça s'allume. Pareil sur le côté, soit celle sur le côté ou tout dans l'habitacle. La boîte à gants, je ne vous ai pas montré. Juste ici, donc avec le grand gilet jaune. On a pas mal de place ici, on pourra mettre deux grandes bouteilles dans 1,5 litre. Bon, eh bien, il ne reste plus qu'à l'essayer cette Peugeot. C'est parti. Bon alors, on va commencer l'essai de cette 508 et voir ce que ça donne. Donc pour démarrer, on appuie sur le bouton ici. Là, j'ai déjà démarré parce qu'il fait un petit peu chaud. Combien il fait aujourd'hui? 29 degrés. Waouh. Et dire qu'il y a deux semaines, j'étais totalement malade parce qu'il faisait beaucoup trop froid. Marche arrière, j'appuie ici. Je positionne la marche arrière, caméra de recul, avant, arrière. Faux 360, ça fonctionne chez Peugeot. Lorsque vous reculez, ça va petit à petit enregistrer l'image pour vous donner la simulation d'une 360, mais il faut avancer ou reculer pour qu'il s'en rappelle juste ici. Donc regardez par exemple, si je recule un poil ici, petit à petit ça avance et ça me fait cette simulation. Hop, la direction plutôt légère, ce petit volant plutôt pratique. On a quand même une grosse voiture, mais ça va. Hop, et c'est parti. Donc quand vous démarrez la voiture, dans tous les cas, même si vous êtes en mode sport ou autre, elle va redémarrer en mode normal. Donc on peut choisir les différents modes comme je vous avais montré. Donc là par exemple, on va commencer en mode éco. Mode éco, j'aime bien parce que c'est plus souple, c'est plus agréable. Allez, on laisse passer le monsieur. Alors au niveau du frein, il faut y aller vraiment gentiment parce que sinon on a un frein qui est assez mordant sur le tout début de la pédale. Et ensuite, bah, il va freiner jusqu'à très fort. On verra ça tout à l'heure quand on fera un essai un petit peu plus dynamique. Alors, on va tester en virage. Donc là, on a un petit rond-point.
Je suis bien maintenu dans mes sièges, je glisse pas. Pourtant, le cuir, ça glisse un peu, mais je suis bien appuyé là. C'est plutôt bien. Le bruit du clignotant de chez Peugeot, j'aime bien. C'est pas trop agressif. Et en ville, en mode éco, bah, c'est plutôt bien. On sent pas trop les rapports. Par contre, quand on s'arrête, on a quand même un petit à-coup comme ça à chaque fois. Alors, qui fait parce que la boîte, elle désengage pas. Elle reste toujours un petit peu engagée. Et des fois aussi, avec le start and stop, ça met un petit peu de temps à redémarrer. Donc, faut faire attention à ça. Mais sinon, même là sur les bouches d'égout ou autre, c'est hyper confortable. Bouche d'égout, je sens quasiment rien. Là, on va rouler un petit peu sur les pavés. Il y a quelques vibrations. Allez, hop, un petit peu de pavé par ici. Alors, on entend les vibrations, mais au final, dans le siège, on sent quasiment rien. Et c'est vraiment très agréable. Passage de rapport. Donc là, je suis en 3. Allez, on passe la 4. On vient de passer la 4. C'est très doux, c'est très délicat. Aucun souci. Hop, je vais aller par là. Bah, même pour la ville, au final, hein, c'est plutôt bien. On va voir le rayon de braquage. Non, ça va peut-être être short, short, là. Mais hop, si je me manœuvrer. Ça tombe quand même plutôt pas mal. Marche arrière. Alors par contre, le 3 cylindres, c'est peut-être... Donc là, par exemple... Non, il n'a pas mis start and stop, mais... En fait, quand ça va engager, c'est peut-être des fois un petit poil nerveux. Même en mode éco. Ensuite, on a le mode normal. Donc le mode normal qui va donner un poil plus de pêche à la voiture. Normalement, on a start and stop. Alors là, il y a la clim, etc. C'est pour ça qu'il ne s'active pas. Et parce qu'on a pas mal écouté la radio, mais ensuite, sinon, normalement, le start and stop s'active quasiment à chaque feu, une fois qu'on a pas mal roulé. Au niveau des coudes et autres, bah, je suis plutôt bien, je suis bien installé. Les sièges spacieux. Alors là, sur ces sièges, on a des petites rainures dans le cuir qu'on sent un petit peu à travers le dos. Alors, ça fait une sorte de petit massage au final, quand on les a longtemps dans le dos. Hop, et par ici. On a aussi, hein, si j'ai besoin, l'Android Auto, l'Apple CarPlay. On connecte juste derrière ici. Et là, par exemple, je me suis remis mon Android Auto. Bon, gros rond-point. Vous me connaissez, j'aime bien les gros rond-points. Donc, ça permet de tester en virage. Bon, il y a un petit peu de monde là, mais on va mettre un peu de rythme. Et on voit qu'on a une bonne tenue de route. Hein. Ça tient bien. Ça couine un petit peu de l'avant, donc ça s'ouvre un poil, mais au final, à part l'avant, en fait, c'est hyper sain et on va pas se faire peur en fait avec cette voiture. Elle prend un poil de roulis, mais une fois qu'on est dessus, ben on est quand même plutôt bien. Bon, là on sort de la ville, donc à 50, donc par exemple, là à 50, je suis en 5e. C'est calme, c'est agréable. Je manque pas grand chose à dire. Je peux mettre mes aides à conduite, mon régulateur adaptatif, je règle 50. J'appuie sur le petit bouton ici pour que ça maintienne entre les lignes. Alors là, il ne les a pas détectés encore. Souvent, il aime bien qu'il y ait des lignes de chaque côté. Et ensuite, bah, je peux laisser le volant faire. La voiture me conduit. Donc, même sur ce genre de petite route, c'est plutôt agréable. Et lorsqu'on va sortir de ville, ce soit sur national, autoroute ou autre, et ben ce sera encore plus agréable. 50, on va réaccélérer. On va aller se mettre à 70. Donc ça relance sans suffisamment. Régulateur, 70. Donc il y a la lecture des panneaux. On peut appuyer sur même à chaque fois pour aller à la vitesse indiquée. 70. Alors, c'est confortable. On entend un petit peu le moteur et ce petit son de 3 cylindres. Alors par exemple, quand ça relâche, là, ça devient très agréable, très calme. Et par contre, dès qu'on a le moteur qui est un petit peu en charge, on entend bah, ce 3 cylindres où ça tape un petit peu. Mais franchement, il faut vraiment y porter attention. Si vous mettez un petit peu de musique, on n'entend quasiment plus. 80. Hop, on se met à 80. Régulateur, donc ça monte de 5 en 5. Ça relance. Je suis en 7e à 80. Pareil, ça se passe toujours bien. Au niveau de la consommation instantanée, je suis à 4,5 litres, 4,3 litres, 4,2 litres, 2, ça remonte 4,4 litres. Là, on est à peu près à plat.
4 litres à peu près. C'est franchement très économique en conduite cool. Donc là, par exemple, j'en suis à 553 km. J'ai une moyenne de 5,6 en ayant fait quasiment que des petites routes à 80, 90, 110 max. C'est vraiment éco pour un petit moteur, parce qu'on a quand même une grosse voiture. Je trouve ça correct. Et si je me mets à 90, pour essayer 90, on essayera 110 et 130 juste après. Là, je suis à 90, elle reste en 7ème, 2000 tours minute. Là, on est sur un beau goudron, juste parfait, juste ce petit bruit caractéristique de ce petit moteur 3 cylindres. Dommage que ce ne soit pas un 4. Les 4 cylindres, c'est quand même un petit peu plus joli en sonorité, mais sinon, c'est agréable, c'est très bien insonorisé. Pas grand chose à dire par rapport à ça. Bon, on va tester le comportement dynamique de cette 508. Donc c'est plutôt bon, hein, normalement, niveau châssis. Donc je vais me mettre en mode sport. Donc on a plusieurs choix, comme je disais, manuel, sport. Ah, vous avez vu, là, c'est passé en sport. On va tout de suite tomber à rapport et c'est tout de suite un peu plus nerveux. Bon, elle a repassé la 2, 3, 4. Et on va voir donc le comportement dynamique. Voilà. Le freinage, on a un bon freinage. Ça tient super bien la route. Pareil, ça reste confortable. Là, on est assez vite sur ces petites routes de campagne. Ça filtre super bien. La sonorisation est bonne. Ce petit volant, au final, c'est quand même agréable pour ces petites routes. Et même si je teste un gros freinage, attention, par exemple, là, hop, ouais, ça freine quand même assez violemment. Et ça relance. Alors, c'est pas foufou en accent 30 chevaux, mais c'est largement suffisant pour être, par exemple, un petit peu au-dessus de la limitation de vitesse actuellement. Et franchement, le châssis est vraiment bon. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je trouve ça hyper agréable. Et la direction, regardez, je vais ralentir un petit peu. Et hop, on sent que la voiture, elle prend un peu de roulis. Mais par contre, la voiture, elle m'emmène vraiment où je lui demande. Il y a certains journalistes qui disent que même Peugeot, en fait, la voiture, elle fait trop ce que vous voulez. Et en fait, elle n'est pas joueuse. Et pour moi, la 508, c'est pas fait pour être joueur. C'est plus fait pour avoir justement toute cette sécurité. Et là, moi, j'ai rien à lui reprocher, en fait. Et par exemple, si je rappuie à fond, hop, on va reprendre un virage à un bon rythme. Ça colle super bien la route. Dans les sièges, je suis plutôt bien maintenu en latéral. Et rien à dire. Et là, par exemple, gros freinage jusqu'à l'arrêt. Bah, ça freine plutôt bien. Ça freine bien, mademoiselle. Elle est d'accord. Et réaccélération. Alors, c'est pas foufou. Et là, je suis à 100. Bah, c'est plutôt pas mal. Bon, petit test de 0 à 100. Pas de launch control ici, hein, mais. Allez, pied plancher. On entend bien le moteur donc, qui monte jusqu'à 6000 tours quasiment. Et 100. Alors, petite vue de l'intérieur. Donc là, il y a les lumières qui sont allumées. Donc, comme je vous disais, c'est tactile. Et donc, on voit ensuite le noir, enfin le noir dans le noir. Ce petit bandeau lumineux LED bleu, donc qui fait le tour, pas personnalisable. Donc chez Peugeot, on ne peut pas changer les couleurs. Hop, je me remets ma petite ceinturette. Donc on a ici, comme vous pouvez voir, pareil, donc dans les porte-gobelets du bleu, et c'est éclairé en bleu là-bas au chargeur à induction également. À l'arrière, pas de lumière, très simple. Marche arrière, caméra de recul. Bon, la qualité n'est pas folle. De nuit, on voit à peu près. Bon, dommage qu'il n'y ait pas de vraie caméra 360. Et lorsque je tourne, j'ai, comme vous pouvez le voir, là, l'éclairage d'intersection. Hop, gauche, droite, gauche, droite. C'est bien pratique lorsqu'on est sur des petites routes de campagne ou à de vraies intersections. Et ensuite, donc, sur cette version aujourd'hui, j'ai pas les pleins phares automatiques. Mais lorsque je mets les pleins phares, on a quand même une très bonne visibilité. C'est vrai que le LED, ça permet d'avoir un éclairage bien blanc. Et je vous montre ça sur les petites routes où il fait totalement noir, juste après être sorti de ce petit village. Mais voilà, sinon, pour vous faire une idée de ce à quoi ça ressemble de nuit. Donc, on voit plutôt bien, et plein phare,
on voit vraiment très très bien. On voit que ça éclaire vraiment vers le haut. Alors là, je vais pas remettre un coup de plein phare parce que sinon la personne de devant, ça va peut-être lui piquer un petit peu les yeux parce que le full LED, c'est vrai que ça éclaire vraiment bien. Et là, hop, plein phare. Donc concrètement, en plein phare, vous roulez comme deux jours. Là, on peut profiter de ces beaux arbres. Waouh. Bon allez, on va passer sur de l'autoroute et on va aller rouler un petit peu plus vite, donc à 110. Toujours en mode écho, régulateur enclenché. Hop, là le. C'est pour me dire que je suis sorti d'une zone de radar, puisqu'il y a l'abonnement donc avec la zone radar. Donc ça c'est top. 110, régulateur adaptatif, centrage de voie. Donc là il pleut un petit peu, il y a un poil de vent. Alors, en charge, on entend toujours un petit peu ce 3 cylindres. Donc toujours ce petit bruit. Au final, on s'y fait quand même pas mal. En passant les camions qui sont en charge là en montée, bah, je trouve que l'insonorisation est plutôt bonne dans la voiture. Et sinon, au niveau des bruits de roulement, on n'entend quasiment rien. C'est très bien insonorisé. Au niveau de ce qui se passe autour, pareil. Très très peu de bruit du vent. Là, il pleut un petit peu. Donc on entend un petit peu les bruits à cause de la pluie, mais sinon c'est nickel. Franchement, rien à dire. Je suis à 2000 tours et si je veux mettre à 130, alors hop, je vais relancer un peu plus dynamiquement. Donc là, je suis mi-pédale. Ça accélère bien. Hein. Hop, 130. On commence légèrement à avoir du bruit devant au niveau du pare-brise, sinon le reste, pareil, c'est bien insonorisé. Ça roule toujours tout seul. Cette fois-ci, le bruit du vent camoufle un petit peu le bruit de moteur, donc c'est plus du tout gênant. Et on est bien, ça reste toujours hyper confortable. En instantané, là à 130 km/h, je suis à 5,5 litres, 5,6 litres. Donc vraiment correct. Là, ça me prévient qu'il y a un radar devant. Franchement, c'est une très bonne voiture, donc pour faire de la route, sans souci. Truc top. Quand on appuie sur les deux touches de volume, ça mute. Donc il faut appuyer sur les deux en même temps. Et quand on met le volume, allez, c'est progressif jusqu'au son qu'on avait juste avant. Donc ça, c'est top. La sono, puisque sono, il faut en parler, c'est important. Le son de base, si vous laissez tout à zéro, c'est pas foufou. Il faut régler un petit peu, paramétrer un petit peu l'équaliseur pour avoir un son correct et rajouter le loudness pour avoir un petit peu plus de basse parce que sinon, il y a vraiment zéro basse. Une fois qu'on l'a bien paramétré, le son est franchement correct. Et surtout si on utilise Spotify ou Deezer avec l'Android Auto ou le Bluetooth, la qualité sonore est vraiment bien. Bon alors, cette 508, qu'est-ce qu'on en pense? Donc déjà, après avoir fait pas mal de kilomètres, hein, là c'est un essai assez longue durée, c'est très confortable à l'avant. À l'arrière, pour une grande personne, comme vous avez pu le voir, c'est pas forcément l'idéal. Il y a pas mal de VTC qui l'utilisent. Bon, si vous transportez des gens de petite taille, pourquoi pas? Si vous avez à faire beaucoup de routes, bah, c'est une bonne chose, puisqu'au final, il y a les aides à la conduite, il y a tout. C'est une voiture très, très, très confort. Rien à dire là-dessus, la position de conduite. Alors, il faut s'y faire, puisque Peugeot, donc toujours ce petit volant qu'on positionne assez bas. Ça, le cockpit qu'il faut regarder par-dessus le volant. Au début, c'est un petit peu déroutant quand on a l'habitude d'avoir une autre voiture. Et quand on rechange de voiture entre une Peugeot et une autre, on a l'impression d'avoir des volants mais énormes et conduire comme dans les dessins animés comme ça. Alors qu'en fait, là, on s'y fait bien. Au début, c'est pas facile, mais au fil des kilomètres, bah, on se dit, bah, c'est vrai que c'est pratique d'avoir un petit volant, c'est maniable, etc. Pareil au niveau de la conduite, bah, c'est Peugeot, c'est toujours ces châssis très rigoureux. C'est sain. Pas grand-chose à dire, ça prend un petit peu de roulis, alors effectivement, mais on a du confort. Donc, on ne peut pas forcément tout avoir. Niveau consommation, bah, comme vous avez pu le voir, hein, consommation très très sobre, hein, on n'était pas sur autoroute, j'ai préféré prendre des petites routes, parce qu'au final c'est très confortable et c'est agréable à rouler de cette façon. À propos des points négatifs, pour moi le point négatif ce serait surtout ce petit moteur 3 cylindres 130 chevaux. Alors 130 chevaux c'est suffisant on va dire, lorsqu'on est deux personnes, qu'on fait des petites routes simples ou de l'autoroute. Par contre le bruit de ce petit moteur 3 cylindres c'est pas forcément très agréable, j'aurais bien aimé peut-être un poil plus d'insonorisation, mais c'est vrai que le 3 cylindres c'est caractéristique, hein, ce bruit assez spécifique, mais voilà. Sinon, vous avez le choix dans une version diesel, mais la version diesel, dans quelques années, bah, on n'aura plus le droit d'aller dans les villes. Sinon, la version hybride, pour moi, je pense, sera le meilleur compromis, parce qu'actuellement, l'hybride, c'est quand même
très très agréable. Et 225 chevaux en hybride, ben c'est pareil, c'est un gros plus. Bon, certes, c'est dans un budget un petit peu supérieur, mais au final, si vous voulez rouler tranquille, à l'économie, et que le bruit du moteur vous dérange pas forcément trop, alors c'est pas très important, hein, mais je pense que la diesel pourrait être aussi un très très bon choix, puisque c'est encore plus économique que ça, même si celle-ci, hein, on arrive à faire des consommations aux alentours des 5,5 litres en prenant des petites routes, on sera aux alentours des 6 litres, 6,5 litres sur autoroute, ce qui est plutôt raisonnable. Niveau confort, c'est bien, on a de l'espace à l'arrière, on a une banquette rabattable, on a tout ce qu'il faut, voilà. Peut-être un petit peu plus de puissance, ça aurait été bien, une version 180, mais voilà, il ne reste plus que ces trois moteurs-là. Un conseil, si vous prenez cette voiture, prenez les aides à la conduite, donc les assistances de niveau 2, centrage de voie, régulateur adaptatif, c'est un vrai plus comme vous avez pu le voir pendant l'essai. C'est relaxant, c'est apaisant, ça marche bien, pas grand-chose à y dire, et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez bien aimé, comme d'habitude, un petit pouce comme ça, parce que ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Bon, bah je vous dis à bientôt pour une prochaine auto. Ciao.